Invité de Quotidien ce vendredi 24 mars, Jane, de retour sur le devant de la scène, a dévoilé les raisons de son absence médiatique pendant ces 4 dernières années. Ce vendredi 24 mars, pour le dernier numéro de la semaine, Liane Barthès accueillait dans Quotidien sur TMC l'écrivain Cyril Dion et une artiste discrète depuis plusieurs années, Jane, de son vrai nom Jeanne Gallis. La chanteuse de 31 ans, révélée en 2015 par le titre Comme, fait son grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel album The Fool qui sera disponible le 21 avril prochain. Elle n'avait plus sorti de disque depuis son dernier album Soldier en 2018. J'ai beaucoup tourné pendant quasiment 5 ans sur le plateau de Quotidien, Jane, qui a abandonné son traditionnel uniforme, a dévoilé ce qu'elle a fait durant son absence médiatique où elle est allée se ressourcer dans le sud de la France. La jeune femme en a profité pour recharger les batteries. J'étais à Marseille pour écrire l'album. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup peint. J'ai écrit une BD avec ma sœur. Plein de trucs quoi, a-t-elle dévoilé avant de détailler les raisons de cette absence, j'ai beaucoup tourné pendant quasiment 5 ans. J'ai fait 16 ou 17 pays. C'était deux énergies très différentes. Quand on tourne on donne beaucoup et là j'avais envie de prendre un petit peu et de rester un petit peu chez moi à écrire. Un truc un peu égoïste? Lui a ainsi demandé l'animateur. Un peu petit peu mais ressourçant plus qu'égoïste, a-t-elle répondu. Aujourd'hui, je suis un peu plus grande. Dans une interview au Parisien en février dernier, Jane s'est également confiée sur son changement vestimentaire. La jeune femme de 31 ans assume sa véritable identité et apparaît désormais sans uniforme. C'est une nouvelle ère musicale, mais surtout personnelle, a-t-elle confié. Même si ces uniformes étaient très pratiques, je me livre beaucoup plus dans cet album et donc je souhaitais que cela se ressente dans le style vestimentaire. À l'époque, cela me servait à me protéger. Aujourd'hui, je suis un peu plus grande, donc je me sens d'attaque pour me dévoiler davantage. La chanteuse entame d'ailleurs une tournée à partir du 8 juin prochain. Elle se produira au Zénith de Paris le 23 novembre prochain. À lire aussi Jane, son album Soldier, son look, Yo Delice, ses projets. Elle se confie sans filtre.